Voici deux petites lampes flow compact de chez Philips SL25 en opale, qui elles sont pétées. Je vous avais présenté hier les versions qui fonctionnaient, donc les deux SL25 opale qui fonctionnaient. J'en ai même fait un test, mais ces deux-là, j'en ai reçu 4 et sur les cartes, il y en a deux qui sont arrivées pétées. On entend bien, hein, je pense pas qu'elles sont en bon état là. Donc du coup, je vais ouvrir celle-ci. Alors, je ne pense pas que je vais y arriver à une main. Ouais, ça va être un peu compliqué comme ça. Mais là, les lampes, elles sont complètement. Oula, voilà. De toute façon, je m'en fous, elles sont déjà pétées, hein, donc on peut pas faire pire. Je pense qu'il y a au moins. Oh là là. On le verra pas parce que c'est opale, mais il y a au moins une bonne partie du tube qui a dû péter à l'intérieur. Donc voilà. Oh, regardez comment c'est bizarre par contre. Oh, c'est chelou c'est le chelou, enfin le, comment dire, l'effet d'optique. Bon bah du coup bah celle-ci, bah, les deux, la chance que je vais faire un bon burning électrode là avec ça là. Et puis bah c'est parti. Hein. Allez, c'est parti pour. J'espère qu'elle n'est pas tout déconnectée parce que si ça fonctionne pas, ça serait un peu dommage. Je vais voir si on voit un moment un starter. Ça y est, c'est parti. Pour la première lampe, c'est foutu. Et pour la deuxième lampe. Et voilà, c'est fini pour ces deux lampes. Donc ce que je ferai, c'est que à l'avenir, je vais les démonter, puis voilà quoi. Puis je les mettrai dans les bacs de recyclage le reste. Hein. Donc je récupérerai le ballast, le starter. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de burning de lampes vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.